Nous sommes un pays colonisé, Dupont-Aignan appelle la France à disposer d'elle-même. La France est un pays colonisé économiquement par la Chine et les États-Unis, politiquement par Bruxelles et religieusement par les migrants, a déclaré samedi Nicolas Dupont-Aignan. Selon lui, les Français doivent dire « stop » à cette situation. La France est un pays colonisé sur plusieurs plans, estime le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan, qui était invité samedi à l'émission On n'est pas couché sur France 2. J'estime que notre pays est colonisé, économiquement par les Américains et les Chinois, politiquement par Bruxelles, l'Union européenne et l'Allemagne, religieusement et migratoirement, par les migrants qui arrivent sur notre sol, a-t-il ainsi lancé. Il a déploré l'installation de « centaines de mosquées salafistes » qui « décrédibilisent les Français qui pratiquent la foi musulmane tout à fait sereinement ». Monsieur Dupont-Aignan a rappelé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dont, selon lui, les Français devraient bénéficier. Les Français à un moment doivent être fiers d'être Français, dans la tolérance, mais doivent dire « stop, ça suffit ». Il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On le revendique pour tous les peuples, et pourquoi pas les Français, s'est-il interrogé. En 2017, lors de la campagne présidentielle, le président de DLF avait déjà employé le mot « colonisation » dans un tweet adressé à Emmanuel Macron.